Arnaud de Manchette avec nous. Et bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Bonjour Amélie, Omélie, pardon, et Apolline et Charles et Emmanuel. Voilà. Bienvenue dans Apolline Motinte, vous autres tabernacles, parce qu'Emmanuel Macron est au Canada oui. ce matin. Voilà. Donc je m'adapte. Je fais des efforts linguistiques, je suis francophone. Donc, il est au Canada pour parler évidemment des problèmes des deux pays. Alors, quel est le principal problème du Canada en Égoïste. Ce moment Égoïste. Non, le principal problème du Canada en ce moment, eh bien, c'est le fait qu'Emmanuel Macron soit au Canada, déjà. Mais c'est, ah, ça, c'est vrai que c'est un problème c'est qui peut être facilement résolu puisqu'il va repartir. Mais malheureusement, il va repartir chez nous. Donc, le président vient parler francophonie et surtout, je pense qu'il a un service à leur demander. Du style, est-ce que vous pourriez me reprêter Céline Dion ? Parce que c'est la seule qui m'a rendu vaguement populaire en 7 ans. C'est pas Michel Barnier qui va renforcer ma street credibility, quoi. Et puis, ce sera pas Bruno Retailleau non plus, hein, le Godefroy Montmirail de Beauvau. Je me remets pas de, son discours lors de sa prise de la passation de pouvoir. Il était à trois priorités. Rétablir l'ordre. Alors, pas de faux espoirs. Les gauchistes, c'est pas l'ordre aux gagnants des élections qu'il veut rétablir, c'est un autre ordre. Tout ça est quand même asséné par un homme qui a été accusé de tricher à Interville. Le bad boy. Dans les affaires à droite, il y a Sarkozy qui se fait financer sa campagne par Kadhafi. Mmh. Ça, c'est classe. Patrick Balkany qui se paye trois villas de luxe avec un salaire de maire. C'est classe. Retailleau, il triche à Interville en 97. Pardon, c'est nul. Même Éric Ciotti doit le regarder de haut et pourtant, il mesure 1m50. C'est vous dire le niveau. Arnaud, après avoir dénoncé dans un précédent ouvrage la maltraitance dans les EHPAD, le journaliste Victor Castanet s'attaque aux crèches privées dans son nouveau livre intitulé Les Ogres. Voilà, après les EHPAD, les crèches, il est spécialisé dans les gens qui portent des couches, cet homme-là. C'est le cycle de la vie. Alors, on apprend dans ce livre que les crèches privées fourniraient un service low cost. Ah, oh, dis donc, la surprise. Confier un service public à des entreprises privées et s'apercevoir qu'elles cherchent avant tout à faire du profit. Qui aurait pu prédire ? Mais oui, qui aurait pu ? Vraiment. Alors, le livre nous apprend que les crèches privées, ça coûte une fortune. La nourriture est rationnée. Le personnel est débordé et désagréable. En fait, les crèches privées, c'est un peu comme les brasseries parisiennes. C'est le même topo. Puis tout le monde n'a pas eu la chance, comme Jésus, d'avoir une place en crèche dès la naissance. C'est un bon piston quand ton père, c'est Dieu. Faut admettre, ça aide. Un nombre de repas inférieur au nombre d'enfants serait commandé chaque jour. Puis je suis sûr qu'ils font gagner les mômes, les repas aux enfants qui ont fini le puzzle en premier. C'est la méritocratie, c'est le macronisme expliqué au moins de 24 mois. Donc c'est terrible. RMC a recueilli le témoignage d'un très jeune garçon se plaignant de la qualité de sa crèche. On écoute. C'est dur être bébé. C'est un témoignage difficile, mais nécessaire. Alors, selon certains témoins, l'hiver, pour faire des économies dans certaines crèches, la température est maintenue à 10 ou 15 degrés. Je trouve que c'est bien la peine d'avoir condamné Véronique Courgeot si c'est pour réfrigérer nos bébés nous-mêmes dans des crèches. Vous vous rappelez de Véronique Courgeot ? Oui, je pense que c'était la chanteuse de... Ice, ice, baby, bientôt dans les bacs, à glaçons, et on peut passer à la suite. Arnaud, c'est pas bien. Mais je sais, c'est pas bien. Non, mais bon. C'est pas bien. Le remake du film Emmanuel, sans transition. Voilà, on se réchauffe. On va se réchauffer. Arrive aujourd'hui au cinéma dans une version féministe et politique. Oui, alors un film érotique, féministe et post-MeToo, c'est pas tout à fait comme avant. Tu me trouves belle dans ces sous-vêtements ? Oh oui, Emmanuel. Ah ouais ? Eh ben, c'est pas très déconstruit. Tiens, je vais te lire un livre de Mona Chollet sur les nouvelles sorcières. L'érotisme a un tout petit peu changé. Alors, grosse déception, pas de chaise en rotin dans ce remake d'Emmanuel. Bon, après, quand tu t'assois tout nu sur une chaise en rotin, c'est pas sexy. Hein. On garde les marques pendant 2 jours. La dernière fois que je l'ai fait pour être jolie pour ma femme, je ressemblais à une grille de sudoku. C'était horrible. Mais tout de suite, la bande-annonce du nouvel Emmanuel. J'ai donné tant de plaisir à la France. Mais je cherche une nouvelle aventure, du coup, pas le même Emmanuel. Je vais dissoudre. Mais qui êtes-vous, beau ténébreux ? Je m'appelle Michel Barnier. Emmanuel, laisse-moi t'emmener au pays des vermeils. Des merveilles ? Non, des cartes vermeilles. Non, je ne sais pas, j'ai besoin de rêver, j'ai besoin de nouvelles aventures économiques, de tenter de nouvelles choses. Eh bien, président en économie, je peux vous apporter de nouvelles suggestions. Oh, monsieur le Chypre, j'adore votre rubrique, je l'écoute tous les jours. Emmanuel et Emmanuel, deux fois plus d'Emmanuel, deux fois plus de plaisir. Que de sensualité ce matin pour le réveil. Et alors, Apolline, le plaisir continue puisque Éric Ciotti arrive. Oh là là, régalé. Les tétons pointent ce matin à l'écoute des rêves.
Non, mais d'une manière générale, les auditeurs. Allez, à demain. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. C'est pas un fraudeur, mais c'est un pirate. Arnaud Demanche. Arnaud, mon invité tout à l'heure dans le face-à-face, c'est Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, ancien président des Républicains. Oui, qui a quitté le parti. Hein. Et LR lui avait organisé un joli pot de départ avec Laurent Wauquiez dans son plus beau costume de poussin. Au revoir, président. Bon, au revoir. Allez, ça y est, jaune. Hein. Notez que tout s'est bien goupillé. Il s'est barré pile quand il y avait une procédure intentée par LR pour le virer. Ah, ça tombe bien après son alliance avec le RN cet été. Donc Ciotti, en fait, c'est le mec qui va voir ailleurs depuis des semaines. Et le jour où sa femme le grille et balance toutes ses affaires par la fenêtre. Salaud, tu m'as trompé avec Marine. Écoute, si tu le prends comme ça... Eh bien, je m'en vais. C'est comme ça. Éric Ciotti vient donc de fonder son nouveau parti qui veut unir les partis de droite qui sont trop nombreux à son goût. Et comme ils sont trop nombreux, ben, il fonde un parti supplémentaire qu'il faudra unir avec les autres du coup. Dont un qui vient de le foutre dehors. Éric Ciotti se fait plaquer par son ex et pour la reconquérir, il propose un plan à trois. Quoi. Ça nous fera du bien de nous retrouver. Éric Ciotti, alors, il aurait bien voulu remplacer Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Enfin, Gérald Moussa Darmanin au ministère de l'Intérieur. Lui qui a une dernière fois salué ses équipes en leur disant « Eh bien, salam les Royas. En ça, on a passé du bon temps ensemble, les frères. Mais cette année, Starfoula, elle m'a bien hagra, donc je pars me reposer au bled, boire du Selecto, et je reviens, Inch'Allah. » Tiens, d'ailleurs, Apolline, j'ai une blague. Vous savez comment on appelle prendre un bain avec Gérald Darmanin ? Oh non, je veux pas cette blague. Un bain moussa, voilà. Alors, pour finir, Éric Ciotti. C'est la spéciale Manu Le Chypre qui aime bien les jeux de mots. Pour finir, Éric Ciotti réagira au propos de Lucie Castet qui a proposé la régularisation générale des sans-papiers en pleine polémique sur les OQTF. Moi, je pense qu'il va l'embaucher comme directrice de communication, qui va être là. Allô, Madame Castet, continuez. Depuis que vous avez dit ça, mon nombre d'adhérents dans mon nouveau parti a doublé. Maintenant, on est 4. Ouais. Dites qu'on doit libérer tous les prisonniers, qu'on doit remplacer les policiers par des fleuristes. Lâchez-vous. On va voir ce qu'il en dit à 8h30, c'est-à-dire 8h30, c'est-à-dire 9h moins le quart, moins un autre quart. Bref, c'est dans une heure. À tout à l'heure.